salut tout le monde, c'est le Mini P.K. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis sur mon petit compte où je suis à 2076 trophées. Donc c'est normal si je suis pas sur mon gros compte parce qu'aujourd'hui, en fait, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mon clan. Donc sur mon gros compte, je suis pas dans le même clan. Donc ce clan, c'est Warback FR. Donc on est très actif. Donc le meilleur de clan, donc c'est notre GF, il est niveau 10. Et il est à 3321 trophées. Donc le dernier du clan, hein, il a 410 trophées. Voilà, donc on peut très bien virer les gens qui sont assez bas en trophées, hein, car ils ne sont pas très utiles. Donc surtout on rush le coffre de clan. Donc on est ouvert à 1400 trophées, sachant qu'on peut très bien remonter parce que 1400 trophées, c'est pas très très haut. Donc c'est un message, c'est un clan pardon, qui rush le coffre de clan, hein, c'est écrit dans la description même. Donc on fonctionne pour les promotions. En fait, il faut faire 20 dons pour être aîné. Il faut faire en fait 150 dons pardon, donc pour être adjoint. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur le clan. Donc je vais faire un petit combat contre quelqu'un du clan. Donc sur mon petit compte, hein, j'ai pas un deck exceptionnel, donc c'est TP36, donc c'est un pote au collège. Donc sachant que j'ai jamais gagné contre lui. Hein. Donc je pense qu'on va attendre qu'il joue, donc on va lui dire bonne chance. Parce que là j'ai pas une très très bonne main. Donc je sais pas s'il va jouer. Oui. Donc GG à lui, hein, parce qu'il a eu la princesse il y a pas très longtemps. Donc je pense que je vais attendre qu'il l'accompagne. Parce que la boule de feu toute seule, ouais. Bon, je vais la jouer parce qu'il l'a pas accompagné, dommage. Donc, on va poser la tombstone ici. Là, on a toujours pas de combo à faire, c'est dommage. Donc, ce deck, n'hésitez pas à le recopier. Hein. Je pense que je vous mettrai un petit screen dans l'overlay. Donc là, il nous joue sa fournaise. N'hésitez pas aussi à recopier le deck de mon ami. Donc, là, on va jouer ça, je pense. Donc là, ça a bien contré son cochon. Là, j'ai un peu rien pour défendre son sorcier. Donc là, on va jouer l'ordre de gargouille. Parce que maintenant, il focus la tour. Donc, ah, j'avais pas vu. Il a débloqué aussi le sorcier glace. Donc j'ai déjà lui. Donc c'est pas mal. Ce qui se plaignait qu'il avait pas légendaire. Donc ça me fait un peu sourire. Là, je pense qu'on va se jouer un petit cochon esprit de feu. C'est un très très bon combo. Donc là, cochon plus esprit de feu, donc faut pas jouer les deux en même temps parce que sinon les esprits de feu ils vont passer devant le cochon, donc c'est pas top top. Donc là je vais attendre que ça aille sur la tour. Là je peux jouer l'armée de squelettes, c'est pas le sorcier qui va faire grand chose, enfin si, il va taper mais il va pas détruire entièrement. Là on va jouer la horde, donc il nous a fait assez mal avec son sorcier. Là il nous a mis à 1482, donc ça va, nous on est à 1300 sur sa tour, donc ça passe. Et là on lui a mis quelques coups. Je sais pas si ça va taper. Oui c'est bon, le sorcier de glace il a pris. Là j'ai un peu rien pour défendre. Si j'ai la tombstone, mais voilà. C'est un peu tout. Là son cochon il nous a fait mal, donc il a bien joué. Il nous a mis à 1000... Enfin non, pas du tout. Il nous a mis à 674 trophées, mais maintenant 446. Donc il nous a mis tarif, hein, clairement. On va essayer un petit pré-shoot. Non, ça n'a rien fait. Il a bien joué. Donc, la boule de feu, l'a joué sur sa méga gargouille. Donc, voilà, comme ça. Là, comme ça. Non, j'avais pas vu. Il avait joué ses esprits de feu. Donc, excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse parce que j'ai eu un petit bug. Donc, voilà. Là, il est en train de me défoncer. Hein. Je vais pas vous mentir. Donc là, oui, bah, je pense que ce combat, il est perdu, mais c'est pas très grave. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à rejoindre le clan si vous êtes intéressé. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et la commenter et la liker. Ça serait très important. Donc bye bye! No, there ain't no stopping us.